Wesh l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui il fait super beau et ça me déprime parce que je vais à Montréal demain et j'ai vu sur le snap d'un youtubeur qui habite là-bas qui neige, il fait moins 2 et il neige, il y a de la neige, genre de la neige qui tient et tout, il avait de la neige dans les cheveux. Franchement ça me déprime, ça me dépasse complètement, je suis saoulée. En plus enfin c'est pour un travel class là. En gros bref, on a un visa étudiant, on va pas à l'école tout le temps, enfin on travaille quoi, notre job c'est au pair, mais en fait c'est considéré comme un taf étudiant. On va dire, et du coup en gros ça me stresse, il y a les deux meufs là qui font traverser les enfants qui me regardent depuis tout à l'heure, c'est trop gênant. Donc en gros c'est considéré comme un job étudiant et on est censé quand même aller à la fac et avoir un certain nombre de crédits validés. Il me semble que c'est 6 ou 8, je sais plus, mais bref, du coup j'ai choisi de faire des voyages et celui-ci en fait partie et ça me stresse parce que je connais personne, je sais pas comment ça se passe et tout et tout. J'imagine qu'on va visiter genre des lieux, genre les cathédrales, trucs comme ça et tout, les lieux mythiques on va dire, et voilà, c'est par rapport à l'histoire, à la géographie, etc etc de la ville, et voilà, du coup je vais voir comment ça se passe et puis je pense que je vais vlogger un petit peu, mais après comme je sais pas du tout comment ça se passe, je peux pas prévoir d'avance. J'ai commencé à préparer mon sac aujourd'hui, j'ai fait une vidéo vide dressing et du coup ça m'a aidé aussi à préparer mon sac pour ce week-end parce que c'était vraiment le bas, j'arrivais absolument pas à trouver mes vêtements, ce que je voulais et tout et tout, donc voilà, ça m'a un petit peu aidé. Bref, j'attends ma petite là et ensuite je vais rentrer manger parce que j'ai toujours pas mangé vu que j'ai filmé le temps de midi, ça me stresse, il y a des gens qui me regardent, oh my god. Bref, on se retrouve plus tard et voilà, see you. Je suis en train de manger mon petit dessert, donc je suis à base de yaourt à la vanille et granola à l'avoine. Plein de fraises, j'avais un paquet de fraises là sur le coin mais j'ai tout tapé. J'ai mangé tout seul et maintenant il reste que du yaourt et j'aime pas manger yaourt tout seul donc c'est chiant. J'ai fini mon sac pour Montréal, du coup j'ai pris que des tenues chaudes, j'ai pris que des pulls, des sweats, survêtements, j'ai pris un jean au cas où je vais changer d'avis. Et j'espère que ça passe en tant que sac pour l'avion. Ça je vais y mettre demain, donc normalement il ferme. Pas encore sûr, mais normalement il ferme. Ce soir je vais au meeting, du coup je vais développer un petit peu plus parce que je me suis rendu compte que la dernière fois pas du tout développé, enfin en fait j'avais développé mais quand on était dans le truc et du coup on n'entendait rien, il y avait des gens derrière qui parlaient et tout, j'y avais coupé au montage au final. Donc bref, en gros le meeting, en fait quand on t'envoie en tant qu'au pair, t'es pas jeté comme ça dans la nature, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi par ville il me semble, enfin elle s'occupe de 2-3 villes. On se retrouve une fois par mois. Elle te fait signer des papiers comme quoi t'as bien travaillé moins de 25 heures, qu'ils t'exploitent pas, etc. Que t'es bien payé le montant qu'il faut, que t'es bien nourri, que t'es bien traité, etc. etc. Si t'as des plaintes, c'est le moment de parler avec elle. Si t'as des doutes, c'est le moment de parler avec elle. Si t'as des questions, c'est le moment de lui demander, etc. etc. Nous, ça va, elle est gentille et tout. Après, je te cache pas que c'est un peu relou les meetings. Des fois, genre, on n'avait pas teint à glace la dernière fois. Non, c'est mort. Quand j'étais en CM1 ou CM2, en fait, je m'étais cassé le bras, genre sévère, pendant 3-4 mois j'avais un plâtre. En fait ça m'a gonflé, du coup je l'ai enlevé le plâtre, j'ai enlevé toute seule. Mes parents ils en avaient marre, ils ont dit vas-y tu sais quoi, reste avec ton bras cassé frère. Et depuis en fait il est jamais vraiment guéri. Du coup j'ai trop peur, tout ce qui est patin, roller, etc. Je fais plus, je fais vraiment plus. Alors qu'avant les rollers c'était trop ma vie, genre j'en faisais tout le temps. Et j'étais déterrée avec mes rollers mais c'est fini. L'époque est révolue, j'en fais plus depuis le CM2 il me semble. Je me rappelle, hey, je m'étais gamelle de ouf. Genre en fait je suis tombée, ça m'avait fait tellement mal que j'avais zéro émotion. Je me rappellerai toute ma vie cette action. Et après dès que je me suis relevée et je sentais plus mon bras, genre je pouvais plus bouger et tout, là je commençais à pleurer. Je me suis dit putain j'ai plus de bras et tout. Ah là là, je me rappellerai toute ma vie. Je parlais des rollers frère. Ah oui, le meeting. En bref, voilà, le meeting, ça sert à ça. Et en gros, c'est quelqu'un qui te suit tout au long de ton aventure, en gros. Ce soir, on a un nouveau meeting. Et ça permet aussi de rencontrer les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux à peu près tous les mois. Du coup, bah, ça leur permet de rencontrer de nouvelles personnes. Et nous-mêmes, par l'occasion. On est parti, comme t'as vu dans le précédent vlog, Kumba est parti. J'ai trop... Ça fait bizarre. C'est bizarre, maintenant, on va se capter, ça va être moi et Faustine. Enfin, la plupart du temps, c'est moi et Faustine. Après, il y a aussi Charlotte et Manon, il y a Victoria et tout. Ouais, au début, c'était moi et Faustine. Ensuite, c'était moi, Faustine, Chana. Ensuite, c'était... Chana est partie. Faustine et Kumba et maintenant toujours Faustine et moi. Un peu les survivantes de l'aventure, j'ai envie de te dire. Ça fait chelou et tu dis que c'est bientôt la fin, tout le monde commence à se barrer. Victoria part bientôt aussi, enfin elle rentre définitivement. Tu sais, quand il commence à faire beau, les plus longs mois, l'hiver est passé. En fait, ça va passer super vite, je le sais en fait. Et du coup, ça me fait un peu peur, ça fait bizarre. Donc je te montrerai ce soir au meeting ce qu'on fait. Je sais même pas moi-même ce qu'on fait, je sais même pas où on va, faut que je vérifie dans mes mails. Et voilà, bref, je suis contente, j'ai fait mon sac. Faut que j'enregistre mon billet aussi. Faut que j'aille faire à manger pour les petites aussi. C'est un petit détail. Bref. See you. Je viens de vérifier dans mes mails. Le meeting ce soir, c'est dans un frozen yogurt où on est déjà allé avec Faustine 2-3 semaines. J'avais vlogué là-bas. Du coup, je suis trop contente. Et c'est pas calorique du tout. Genre, c'est pas comme de la vraie glace. Genre, c'est pas comme Häagen-Dazs et tout, tu vois. Après, les toppings que tu mets, ça dépend de ça en fait. Là, j'attends ma petite. Elle est en retard.
sans trop m'énerver. Moi, je suis tout le temps en retard, mais quand les autres sont en retard, ça m'énerve. L'hôpital qui se fout de la charité. On est au truc de Frozen Yogurt. Il y a plein de trucs. Lala. Là, il y a le meeting avec les meufs. Elle fait trop genre, elle veut pas, mais dès que je vais avoir ma glace, elle va me regarder comme ça. C'est notre LTC qui nous a offert des petits œufs de Pâques, c'est trop cute. Je suis désolée d'avance pour le cadrage. Tu veux quoi? Tu mets quoi dedans? Tu veux quoi? Non, mais j'arrive pas. À demi-tour. Dans 5 minutes, tu vas l'avoir la cuillère à la bouche. Ça a l'air lourd, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air lourd. Mais il y a un peu une crise émotionnelle. Regardez son make-up. Ça, à chaque fois j'en prends, mais en fait ils sont pas bons ici parce qu'ils les laissent longtemps dehors. Ma petite glace. Et en fait c'est au kilo, genre, enfin elle pèse et après elle me dit le prix. Et voilà, oh ça c'est trop bon. Thank you. Il y avait le Père Noël et maintenant pour Pâques il y a le lapin, c'est trop cute. On est encore au mall ce matin, c'est épuisant. En fait j'ai changé de survêt parce que l'autre il était chelou. Arrête, ce petit haut, ce petit sac. C'est H&M. Même ça, j'aime bien. Même ça, j'aime bien. Petit pantalon. Ça me saoule déjà, tiens. Je viens de sortir d'Apple, ça m'a grave saoulée. Ils ont plus d'AirPods, ils ont pas d'écouteurs pour changer mes écouteurs. Enfin bref, grosse flemme, ça m'a saoulée. Ils m'ont fait attendre une heure pour rien. Et du coup, je viens de sortir et je suis passée à Sephora pour voir les nouveaux bébés de Fenty Beauty. Ça a l'air lourd de ouf. Par contre, je fais 59$. Il y a Patrick Ta aussi qui a sorti les nouveaux trucs comme ça. Bref, je vais faire un petit tour du coup à Sephora. Et après, je pense que je vais rentrer. Et voilà. C'est parti, on va à l'aéroport, je suis avec Faustine. Parce qu'elle aussi elle part. Et voilà, bah du coup demain on se retrouvera à Montréal. Je sais pas si je vais filmer plus tard ou ce soir. Mais en tout cas demain je vais te faire un petit tour de la ville. Je sais pas encore ce que je vais faire. Gros tour. Bah du coup ce soir ou demain. See you. C'est un coup là. See you. So nice. Après 3 heures à l'aéroport, on embarque enfin. Bonjour, je suis la destination de Montréal. Votre équipage est sauvé en anglais et français. En partie, passagers de ressentir des zones de cabine, comme privé de toilettes et santés. Your safety is our top priority. Je viens d'arriver dans le Airbnb. Il est super lourd, genre il est vraiment trop bien. Franchement, il est trop trop bien. C'est dans le centre de Montréal, vraiment. Genre, ça fait loft de toute façon, c'est trop stylé. Il y a la cuisine comme ça ouverte, un petit salon façon, mon petit sac. Là, du coup, il y a un lit et après, il y a un balcon archi lourd, c'est trop bien. Je sais pas si l'image sera de qualité, mais on a la vue sur Montréal de nuit, c'est trop beau. Franchement, c'est trop trop lourd. C'est archi beau. Je pense qu'on se retrouve demain. Il fait bon, je suis trop contente. Genre, il fait 14 degrés. Je pensais qu'il allait faire moins 12, mais ça va. Les stops, petit déjeuner. J'ai trop l'impression d'être en France. Juste les noms, ils sont un peu chelous. Genre, danoise au raisin, pourquoi en raisin, des chocolatiers. Par contre, les gens du Sud, on va pas être d'accord. Les gens de Montréal, on dit pain au chocolat, les gars. Ouais, j'ai trop l'impression d'être en France. La journée commence trop bien. Petit pain au raisin. Il est trop trop bon. Ça fait super longtemps que j'avais pas mangé ça. Il fait super beau aujourd'hui. Toujours besoin d'une doudou quand même hein, pour ma part. Mais ici, il y en a plein en t-shirt et tout. C'est trop choquant. Petit déjeuner. Aïe aïe aïe. Trop bon. J'ai remarqué un truc super chelou, toutes les épiceries s'appellent dépanneurs, ça me dead. Il y en a, ils sont grave déter. Je vous jure, il fait du ski, en montée en plus. Je suis grave choquée. Il reste encore grave de la neige. Là, on est en train de monter Chalet du Mont-Royal et on est dans le parc Mont-Royal. Mais en fait, c'est vraiment dans les hauteurs de Montréal. Et du coup, bah, la neige, elle a encore tenu. Genre, il y a vraiment beaucoup de neige. Je regrette pas d'avoir pris mes grosses bottes, finalement. Parce que j'ai vu qu'il faisait 14 degrés, soleil et chaud. J'avais un peu le seum. J'ai attaché ma doudoune comme une clocharde. J'ai posté des petites photos sur Insta.
Je te mettrai mon Insta juste ici. See you. Enfin arrivé tout en haut, j'ai l'impression que c'est la marche à Los Angeles. Donc là c'est le chalet Mont-Royal et on a la vue sur tout Montréal, c'est super beau. Je vais m'approcher pour bien voir et tout. Il y a encore plein de neige et tout, c'est super cute. Donc là on est rentré à l'intérieur. C'est à l'intérieur du truc Mont-Royal. Mais je sais même plus le nom, moi je suis vraiment une mauvaise touriste. Franchement ça va qu'il fait bon parce que sinon j'aurais vraiment le seum. C'est mignon, genre il y a un gros feu et tout. J'avoue je m'en fous un peu mais bref. On se retrouve plus tard, on va aller manger de la poutine, c'est la spécialité d'ici. J'ai hâte. Il y a une petite boutique de souvenirs à l'intérieur. J'ai envie de tout acheter. Popcorn au sirop d'érable. C'est trop mignon, genre c'est tout en forme de petites feuilles d'érable. C'est trop cute. Chocolat noir. Oh my god. C'est trop cute. Une bouteille de sirop d'érable en forme de feuille. J'ai grave envie de la prendre. Mais j'en mange même pas. J'ai pris une petite boîte, du coup elle m'a donné de la monnaie. 5 dollars canadiens. C'est trop cute. Le billet est transparent. J'aime trop. Petite poutine au poulet. Là je suis une vraie youtubeuse, je suis morte. Avec un Snapple pêche. Franchement c'est archi beau. Je te dirai du coup si c'est bon. En fait c'est une spécialité d'ici. Et il y a des pommes de terre à l'ail, du poulet, ça c'est du fromage, il y a des espèces de chips. Il y a une sauce, tu l'as ajouté une sauce qui pique un peu. Franchement je trouve ça bon. Et cet emplacement c'est de la viande halal donc du coup je mettrai le glaze en bas de l'écran. On est passé par le vieux port et là on est au port de Montréal. L'eau elle est encore glacée tellement il faisait froid les semaines précédentes. Et du coup on se dirige vers le port. C'est là où il y a la grande roue et tout ça. Je suis contente qu'il fasse bon en tout cas. On est maintenant au marché Bon Secours. Ça me fait penser un peu au hall qu'on a vu à Boston avec toutes les bouffes et tout. En fait, il y a plein de petits magasins, des cafés, il y a un peu de tout. J'ai l'impression que c'est un peu tout, pas boutique des souvenirs, mais un peu quand même. Genre, il y a plein de trucs vraiment typiques d'ici, entre les vêtements, la bouffe, etc., sirop d'érable, etc. C'est intéressant, c'est à côté de la grande roue. Du coup, il y a les mêmes trucs qu'il y avait en haut, mais en beaucoup moins cher. Donc, achetez pas en haut si vous allez tout en haut. Ander, je dis ça comme si vous allez venir visiter. Enfin, je sais pas, tu vois, mais si jamais. Oh, c'est trop mignon! Là aussi c'est trop cute. J'aime trop. Hey, pensez-vous que je suis malade? Am I crazy? Oui! Excellent. So everybody's gonna put something in my hat? No. At least you guys are honest. The hack. À l'arrière, I'm sorry for the view. Tu passes à Montréal, t'es obligé de passer là. C'est la basilique Notre-Dame où Céline Dion elle s'est mariée. Ils sont partout, je suis choquée. On est dans un quartier un peu plus haut. Il y a des petites friperies, il y a des magasins un peu spéciaux et tout. Franchement c'est super cute, j'aime beaucoup le quartier. Trop mignon ce quartier aussi. Le parc du Portugal. Ça en plus j'allais dire je crois que c'est le quartier portugais parce qu'il y a plein de restaurants portugais, il y a le drapeau portugais un peu partout. Là c'est le parc du Portugal. Super beau, il y a des tags partout. Franchement c'est trop beau. Par contre je comprends absolument rien de ce qu'il raconte. Hein. C'est même pas que l'accent, c'est... D'ailleurs il y a un mec dans un magasin pour demander si on avait besoin de quelque chose. Il nous a dit vous êtes correct. Et moi j'étais en mode oui merci. Genre pour moi vous êtes correct ça veut dire ça va tu vois. Et il m'a regardé en mode elle est conne ou quoi. Donc voilà c'était un peu le moment honte de la journée. Pour vous dire à quel point leur français il est chelou. Melon d'eau c'est pastèque. Franchement je suis outrée. Fait super beau ce matin encore. Alors qu'ils avaient prévu de la pluie, du froid et tout. Enfin, bref, on est le lendemain matin du coup. Dernier jour à Montréal. Il fait grand soleil de ouf. Je suis en retard.
Parce qu'en fait, le matin, on a des cours à l'université et après, on visite la ville et tout. Donc hier, j'ai filmé, mais je pense que la plupart des trucs, c'est en musique parce que j'osais pas trop parler et tout, vu qu'on est un peu genre en groupe et tout. C'était relou de ouf. Le soir, j'étais archi fatiguée. Je suis rentrée et tout, j'étais grave fatiguée. Il faisait froid. Enfin, il était censé faire froid. Donc du coup, j'ai pris des bottes qui m'ont bousillé les pieds. Genre là, j'ai des ampoules de ouf. Et aujourd'hui, on va encore marcher. Je vais avoir encore des ampoules de ouf par-dessus les ampoules de ouf. Je te laisse imaginer le bail. Ça va vite me saouler. Je suis contente déjà qu'il fasse bon et tout. Je vais pas trop me plaindre. Mais bon, en fait, à la base de la base de la base, on a un visa étudiant en venant faire au pair. Enfin, c'est considéré comme un travail étudiant, si tu veux. Et du coup, on a quand même des crédits à l'université à valider. Il me semble que c'est 6 ou 8, je sais plus. Et en fait, quand tu fais des week-ends classe, valide plus vite tes crédits en fait. Et du coup, soit t'as des cours et ensuite tu vas dans la ville, soit t'as les cours le matin dans une université de la ville et tu visites l'après-midi. En gros, c'est ça. Tu vois, la plupart du temps, les emplois du temps, c'est à peu près ça. Et là, du coup, j'ai choisi de faire ça et en fait, j'ai trop le seum. Parce qu'à la base, ma première option, c'était soit venir à Montréal une semaine et passer 3-4 jours à Toronto, parce qu'en fait, j'ai de la famille à Montréal. Soit ma deuxième option, c'était aller à Miami. Du coup, bah, c'est pour ça que j'avais vraiment le seum en fait. Dans le vlog d'avant, ça se voyait de ouf, j'avais le seum. Les gens me disaient, mais c'est trop bien, tu pars là-bas et tout. Pourquoi t'es dégoûtée et tout, j'étais en mode cousine, tu sais pas ce qui était préparé à la base. Je voulais pas respecter le plan, je voulais pas faire les classes, je vais pas mentir. Genre je me suis dit, je suis venue faire mon truc d'au pair et tout. Voilà, je suis payée, je veux voyager et tout, mais j'ai pas envie de me faire chier à faire des classes, tu vois. Genre j'ai fait ça pour faire une pause dans mes études, voir si je reprends ou pas. J'avais vraiment pas envie de refaire des cours, tu vois. Et du coup je pensais grave esquive. Sauf qu'en fait on vient de me dire, enfin on m'a dit il y a genre un mois ou deux, si je faisais pas les cours et que je validais pas les crédits, ils me donnaient pas le certificat au pair comme quoi, enfin un truc pour bien prouver que j'avais fait ça. Si je voulais étendre mon année, je pouvais pas non plus parce qu'il fallait absolument valider les crédits avant. Du coup là je me suis dit, ça me coince de ouf, tu vois. En fait, je préfère valider tout, avoir plusieurs options et surtout avoir le certificat à la fin de l'année parce que, enfin, tu fais tout ça et tout, ok, tu le marques dans ton CV. Si quelqu'un te demande la preuve, tu vas lui prouver comment. Je vais lui montrer mes vlogs, tu vois. Le mec, il va se dire, bon, voilà, le pourquoi du comment, pourquoi c'était pas trop prévu, pourquoi j'avais un peu le seum. Parce que, voilà, dès que j'ai vu la météo, je me suis dit, ok, d'accord. À la base, je voulais aller à Miami, la joie, il fait 5 degrés, ça va vite me saouler. Voilà, c'est reparti pour une journée. Comme je t'ai dit, à la base, j'étais pas trop motivée pour venir. Ma coloc que j'avais l'année dernière, Ramla, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, elle a de la famille au Canada et elle me saoulait avec Tim Horton. C'est un peu comme un Dunkin Donuts, sauf que bah, c'est juste au Canada. Et apparemment, c'est archi connu pour tout ce qui est donuts, muffins, etc., etc. Elle me parlait tout le temps d'une boisson à la vanille et tout. Donc du coup, je vais aller voir ça. Je vais prendre un petit déj là-bas et ensuite, je vais aller à l'université et ensuite, je rebloguerai, je pense, cet après-midi. Et voilà, on se retrouve plus tard. Bisous. How cute. Je suis arrivée au truc Tim Hortons. Ma coloc m'a dit de prendre des Tim Bites et un café à la vanille, je crois, un truc comme ça. Je crois que les Tim Bites, c'est ce truc là. Ah, mais c'est tout ça, Tim Bites. Il y a plusieurs goûts. Ça a l'air lourd. C'est grave lourd. Ça a l'air bon, ça. Team Bites. Oh, ça a l'air trop lourd. Bon, du coup, j'ai pris mes Team Bites. J'ai pris un mélange en fait. C'est des boîtes de 10 ou de 20 ou de 50, je crois qu'elle m'a dit. J'ai pris un cappuccino glacé à la vanille. J'ai suivi ses recommandations, j'ai pas cherché. Et pour les goûts des Team Bites, elle m'avait pas donné de goût en particulier. Donc, du coup, je lui ai dit de faire un mix. C'est comme ça à l'intérieur, les petits Team Bites. Genre, ça m'a saoulé parce qu'il n'y a pas de truc pour se poser. Mais sinon, j'aurais goûté et tout. Mais c'est trop relou de filmer et de goûter en même temps. Je vais pas y arriver. Il y en a à la cannelle, il y en a à la pomme. Enfin bref, ça a l'air vraiment lourd. On est au parc Jean Drapeau. Du coup, c'est de l'autre côté de la ville. T'as vu sur toute la ville, mais dans l'autre sens. Enfin ouais, c'est archi logique ce que je viens de dire. Mais bref. Et à Skip, il y a des renards dans ce parc. Donc bon, je suis pressée de les voir. J'aurais préféré qu'il fasse meilleur et soleil comme hier. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, surtout à Montréal. D'habitude, ça caille. Il y a un bébé renard là. J'essaie d'approcher mes chiens qui va fuir. Et j'ai quitté le groupe. Là, ils sont en train de marcher tout droit. J'ai vu le renard, je suis revenue. Bébé. Oh my god, so cute. On a du temps libre maintenant. Donc, du coup, j'allais manger et j'ai pris le métro pour ça. Du coup, ouais, il y a des métros, j'espère pas me perdre et me retrouver au bon resto. Resto du jour, petit poulet avec des onion rings. Et on a repris une poutine, mais cette fois-ci avec des frites, parce que hier c'était des pommes de terre à l'ail, c'était un peu bizarre. Fromage, la sauce, il y a une sauce barbecue en plus de la sauce spéciale poutine et du poulet. Et ce restaurant aussi, il est halal, je mettrai le nom de toute façon là. Je trouve que ça sent super bon, ça a l'air trop lourd. Et là le poulet, genre c'est un poulet grillé. Bon, et onion rings maison, ils sont super bons. Et avec ça, j'ai pris
un Snapple mangue. C'est trop trop bon. Ah franchement c'est délicieux. C'est un truc de malade. Après c'est gras de ouf, hein. Franchement. C'est vraiment gras. Genre tu vois des bonnes frites, la sauce, barbecue et tout. Par contre le prix est beaucoup plus élevé ici. Après voilà, de manger mieux, ajoute 5 balles, je pense que c'est mieux. Fais comme tu veux. Genre, je fais une semaine, je vais pas manger. Franchement, je suis super fatiguée. Genre, j'ai pas trop dormi cette nuit. Donc, voilà, j'ai faim. On se retrouve tout à l'heure. On est le lendemain matin, dernier jour à Montréal. Du coup, je viens de recevoir un mail qui me dit mon avion, il est déplacé là. Il est en retard ou je sais pas quoi. Et apparemment, il y aurait des tempêtes et tout. Pff, grosse flemme. Du coup, j'ai essayé de gratter du temps dans le Airbnb. Parce que normalement, c'était bon. Genre, je me faisais virer de l'appart. Enfin, virer, t'as compris. Genre, à 11h, tu dois quitter. Et après, genre, j'avais 2h à l'aéroport et tout. C'était à peu près pile poil, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est parfait. Je dors bien. Je prends le temps. Je me prépare. Je prends l'avion. Je rentre chez moi, tu vois. Parce que du coup, non. Il est en retard. Donc, je pense que je vais aller chercher un truc à Graille. Et ensuite, je vais aller à l'aéroport. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, super. Froid, genre vraiment, j'ai ouvert la porte du balcon, ça caillait de ouf. Grosse flemme. Pressée de retrouver New York parce que j'ai vu des meufs qui habitent à côté de chez moi, elles font des snaps, il fait 18 degrés, elles sont en petite robe et tout. Comment te dire que moi avec ma doudoune j'ai un petit peu le seum. Et ouais, et celles qui font au pair et tout, qui pensent esquiver les week-end class, ne faites pas comme moi. N'esquivez pas les week-end class. Bref, j'ai quitté mon petit Airbnb. Franchement, il est super cute. Encore une fois, je te mets le lien de Airbnb en barre d'infos pour avoir moins 25%. Moins 25 euros, je crois. Pour avoir moins 25 euros de réduction sur ton Airbnb. Si t'es intéressé, donc en gros tu t'inscris via le lien et ensuite t'as moins 20... Chut. Merci. T'as moins 25 euros sur ton premier Airbnb en réduction. Et voilà, du coup c'est plutôt cool. Je mettrai aussi le lien de ce Airbnb parce que vous m'avez beaucoup demandé pour celui de Los Angeles. Donc du coup je vais mettre à chaque fois, enfin je vais essayer parce que je sais pas trop si on peut mettre les liens direct. On se retrouve demain je pense, plus tard. Des bisous. Je fais un petit aperçu avant de partir. J'ai essayé de laisser au plus propre. Derrière t'as le balcon, ça j'avais déjà montré la vue à l'extérieur, tout c'était lourd. Chili, beau gosse. Petite télé. J'aime trop le style de l'appart. Franchement c'est grave lourd. Il est super bien situé à côté du parc La Fontaine. Enfin il est juste en face le parc. Bon du coup dernier stop, Tim Hortons. J'ai pris un truc à la vanille chaude. Elle m'avait conseillé ça ou le ice cap à la vanille. Et du coup j'ai pris le café chaud à la vanille aujourd'hui. Et là j'ai repris des Tim Bites. J'en ai pris les meilleurs à la framboise et les natures couvertes de miel. Et c'est archi pas cher, genre pour 3$ et quelques, je crois. Donc voilà, c'est trop trop bon. On est le lendemain, faut que je te raconte ce qui s'est passé hier, mes aventures de ouf, genre vraiment c'était un cauchemar. Que s'est-il passé après Tim Hortons? Je faisais la maline et tout, en fait le matin j'ai reçu un message pour me dire il y a des tempêtes entre le Canada et les États-Unis. Alors qu'il pleuvait, mais pas un truc de ouf tu vois, alors qu'à l'aller quand je suis venue il faisait moins beau et tout, il y avait des grosses pluies et tout, l'avion est quand même parti. Et je voyais le temps à New York, enfin il faisait soleil, il y avait pas de pluie, il y avait rien du tout, il y avait pas de tempête, il y avait rien. Donc je me suis dit c'est grave bizarre tu vois. Et en fait c'était dû au trafic. Je sais pas si c'est genre le nombre de vols etc, mais ça je pense que c'est un truc qui est organisé. Donc bref, je suis pas trop compris. Donc tous les vols de United, la compagnie que j'ai pris, ont été annulés. Et genre il y avait que Canada Air qui volait. Ah putain mais j'ai sauté une étape là. Donc en gros le matin j'ai reçu un message pour me dire le trafic est perturbé nanana. Je suis sortie etc, comme je t'ai dit je suis allée manger. Donc je pensais en fait prendre un petit déj et ensuite partir à l'aéroport. Finalement en partant j'ai reçu un message me disant votre avion est déplacé d'une heure. Donc j'ai dit bon ok vas-y je me pose, je prends le temps, je mange et tout, je vais quand même à l'aéroport après. Je finis de manger tout ça bien au calme et tout, je fais un petit tour et tout. Et là je vois quoi? Votre avion est annulé.
Je lui ai dit non, c'est une blague. Je lui ai dit c'est grave une blague en fait. Donc du coup moi je commence à paniquer et tout. Je me dis attends, j'ai... En fait je sais pas, dans ma tête genre c'était genre panique, tu vois. Je me suis dit putain et tout. Genre j'ai pensé à déjà à la perte d'argent, perte de temps. Et en fait cette semaine, vu que je suis en vacances, que mes hosts ils sont partis en vacances, je pensais genre aller tous les jours à New York et filmer une série de vidéos, enfin plusieurs séries de vidéos que tu vas retrouver sur ma chaîne plus tard. Je me suis organisée en plus avec quelqu'un qui va me filmer et tout. Donc du coup ça me faisait chier en fait. Enfin genre quand j'ai quelque chose de prévu dans ma tête, ça me fait chier que ça se passe pas comme j'ai envie, tu vois. Déjà le week-end c'était pas prévu que ça se passe comme ça. C'était pas du tout prévu déjà que j'aille à Montréal, comme je t'ai expliqué. Il fallait vraiment que je fasse ça rapidement et tout et tout. Donc déjà c'était perturbant pour moi. Là c'était vraiment un week-end perturbant. Mais là le vol, j'étais en mode putain qu'est-ce que je vais faire. Donc bref, grosse panique, j'ai pris un bus de 8h. J'ai fait donc le bus toute la nuit. Franchement j'étais en panique de ouf. Alors qu'en fait il y avait d'autres solutions beaucoup plus simples. Mais bref, donc j'ai pris le bus. On a été réveillés une heure plus tard, arrivé à la douane. En fait ouais, il y a une douane et tout. Donc du coup on a tous dû descendre du bus. Ils ont fouillé le bus, ils nous ont posé des questions, fouillé nos passeports, enfin truqué nos passeports, etc., etc. Comme si c'était l'aéroport en fait. Et ensuite on est remonté dans le bus et moi j'ai dormi jusqu'à New York. Arrivé à New York, il était 6h30 du matin, 7h du matin. J'ai pris le train pour rentrer chez moi. Arrivé chez moi, il devait être 7h30. Et ensuite j'ai dormi de 7h30 à midi et demi à peu près. Je me suis préparée et là je suis là. Et c'est reparti pour une journée. Je vais quand même faire ce qui était prévu, mais franchement ça m'a grave perturbé et tout. Là les 8 heures de bus, j'étais absolument pas prête genre de faire un bus de nuit, mais ça va vu que c'était vraiment la nuit et j'étais crevée de ouf. J'en ai profité pour dormir et en plus apparemment je vais pas du tout être remboursée parce que de 1 j'avais pas pris d'assurance parce que c'était pas non plus un vol à 500 balles, donc je me suis dit bon, pas trop d'utilité, en général ils sont pas annulés, donc voilà. Mais la prochaine fois je prendrai une assurance hein, parce que voilà, du coup je vais pas être remboursée. Enfin ça m'a saoulée en fait. Voilà, tranquille. Il fait super beau en tout cas à New York, je suis contente. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que comme je t'ai dit, je veux préparer une série de vidéos. Du coup, je vais pas vlogger entre temps parce que sinon ça va spoiler les vidéos. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog, mais il y aura les séries de vidéos qui vont arriver. L'abonné de la semaine, c'est Leila Soa. 14,06€ il me semble, je vais mettre ton petit commentaire ici. Et je te remercie ma chérie de me suivre et d'avoir activé la cloche. Si toi aussi tu veux devenir l'abonné de la semaine, il faut que tu sois abonné à cette chaîne, que tu actives la petite cloche et que tu me dises tout ça en commentaire, que t'as bien activé la cloche, etc., etc. Et voilà, je vous dis à mercredi prochain dans un prochain vlog et à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Des bisous.